non, ça va. Mais c'est pas grâce à vous, bande de cons. Zabu, répare-moi ce tas de ferraille et plus vite que ça avant que je te défonce. Oui, mais il y a moi pour une journée à réparer le système d'hydrocarburation. Je te fais bouffer toute ta famille si tu me sors pas de cette planète de dégénérés. Ok. C'est quoi, attends, le petit truc vert là? Hein, quoi? Vous avez vu comment il me parle, lui? Suis Zed, je viens de la planète Zébulon. Bouge de là avant que ce bute avec mon pistolet. Il est où? Répète ça un peu. Tu prends la bobe la gonflette, ok? En plus, c'est sur le terrain de mon papy. Et toi, t'es qu'une pauvre merde. Ah, vous avez besoin d'aide, monsieur Zed? Dégage-moi ton tas de ferraille d'ici, c'est dégueulasse. S'il vous plaît. Bonjour. Ouais. Vous venez de rentrer illégalement sur Terre. L'État vous demande de décliner votre identité. Bon, ok. Je m'appelle Zed, j'ai 158 années terriennes, mais je peux aussi vous expliquer combien ça fait dans notre système. Bon, alors. Enchaînez, hein. Ok, je viens de la planète Zébulon, et je viens en paix. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle la paix. À la base, vous voulez vous détruire, mais bon, ce ressort, c'est... Très bien, je suis heureux de voir quelqu'un qui parle enfin notre langue, hein. Bah, c'est pas été élevé, c'est sa mère, hein. Non, non, je rigolais, je rigolais. Tiens, non. Je veux taper, toi. Ah mais il est venu d'où, lui? On n'est jamais très loin. Oui, je disais là, tous vos potes de l'espace, un vrai calvaire, hein. Déclinez votre identité. Tu parles Kribitus, toi? Déclinez votre identité. Je ne comprends pas. Déclinez votre... Je m'en bats les couilles, je vous nique vos mères, vos sœurs qui vous l'aient. Me touche pas, je te la parle quand je vous encule. Vas-y, toi. Ça va être compliqué, hein. Dites, vous savez où je peux trouver le T-Max? Attendez, c'est lui, regardez. Intéressant. C'est qui? Quoi? Vous le connaissez pas? C'est celui qui a traversé l'espace pour trouver son créateur. Je l'aime trop. Mais dites, vous voulez me renvoyer chez moi? Non, pas du tout. Alors, zone 51, c'est mort, c'est complet. Zone 52, oui, je peux vous libérer la zone 52 si ça vous intéresse. Ah ouais, ouais, c'est pété, ça fait bien, ouais. Bienvenue chez vous, monsieur Z. Merci. Alors par contre, dépassez pas les petites balises au sol, parce que sinon, il pourrait y avoir des petites hausses d'impôts. Ouais. Ce serait dommage. Ok, pas de soucis, Loukouz. Mais d'abord, je veux votre Ultimax. Alors allez me le chercher, ensuite je vous donne la zone 52 comme promis. Gérard te guidera avec son nouveau joujou sur le lieu de ton choix. Ouais, super, t'es un bon, toi. Vas-y, je te rajoute sur Insta, c'est quoi ton blaze? James tiré du 8, BG du Gouv, tout attaché. Bonne journée. Hé, hey, oh, Bob, je t'emmerde, je vais habiter juste à côté de chez toi. Toi, je vais faire bouffer le sol. Et tu vas voir, la terre, elle est bonne ici. Vas-y, je vais retrouver Ultimate, on vient te défendre. Car dans un bar de nuit, je plonge dans mon eau de ville. Hé, hey, salut le roi pigeon! Salut Zed! C'est bien toi qui as vu Ultimax en dernier? Oui, c'est moi, je l'accompagne voir son créateur, on a même dansé ensemble sur le trajet. Je lui ai raconté comment j'étais devenu roi, même si ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a rien à foutre de ta vie. Dis-moi où il est là? Je t'envoie la position, viens et je t'explique. Hé, hey, mais pourquoi? Dis-le-moi maintenant! Tant pis alors. Non, attends. Hé, hey, Tom Gunn là, ouais. Tiens, c'est là où il faut aller. Okay. Et quand je te fais ça, t'arrives toujours à piloter? Comme un décor. Allez, on arrive au-dessus, je t'éjecte. Ah, attends, Tom Cruise là, c'est pas mon parachute. C'est parti. Oh bordel. Tant les sirènes au loin qui chantent leur doux refrain, je pense à la peur du lendemain. Quand je découvre la pente, je me penche et je flanche là, je tombe de ce toit. Quand je découvre la pente, c'est trop tard, je chute pas, plus bas que je ne crois. Qu'un kilomètre pour entrer, mais je suis encore loin, trop loin de chez moi. Toutes ces silhouettes dansent et inhibent mes sens. Oh, le roi Pison, t'es là? Putain, c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé, lui? J'espère qu'il va arriver, ce piaf. Et voilà. J'attends comme un con. Plonge dans les couleurs et sombres, dans cette vive bataille. Ouais, des idées filent sur les murs blancs, se tendent les voix. Ah, ben enfin! Ah, désolé, j'étais en ville. Mais qu'est-ce que tu foutais? Ça fait 50 ans que t'attends, là! Je chie sur les gens.
Ah bah oui, quelle question. Bon, tu vas m'aider ou pas? Ah non, j'ai promis à Ultimax de garder son secret. J'espère que tu rigoles, tout le monde veut le revoir, on ne sait pas ce qu'il est devenu si son créateur le retient. On peut pas le laisser, c'est bien plus qu'un robot, tu comprends ça? Non, 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 je t'aiderai pas. Si tu m'aides, je te ferai une place dans mon vaisseau et tu pourras aller scier sur toutes les planètes. C'est mon rêve. Ok, ok, d'accord, je vais t'aider. Tends tes mains que je t'attrape. Vas-y, tends-les, tends-les. Ah mais elles sont dégueulasses tes pattes. C'est parti. On s'emmerde là. T'aurais pas un film à diffuser pendant le vol? Ah non, mais si tu vas à la place, je fais de la tectonique. Arrête, t'arrêtes. Je vais tomber. Ah, je suis fatigué. Rapproche-toi, on y est. Rapproche-toi là, c'est juste là. Ah. Zed, ça va? Ouais, ouais, ça va. Ah, dégueulasse. C'est l'émotion. Désolé. On se voit dehors quand t'as fini. Bon. Ultimax! Ah oui, les placards. Et qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est bon, le chat. Laisse-moi tranquille. Connard. Ah, j'ai trouvé. Je mets tout ça là-dedans. Et... attention. Bienvenue Zed. Zed, mais d'où tu connais mon nom, toi? Ultimax est bien détecté. Voulez-vous passer à la nouvelle version? Bah oui, comme ça, il sera peut-être un peu moins con. Attention, cette mise à jour contient le savoir global d'Internet. Confirmé. Let's go! Ultimax. C'est donc ça? Être humain. Vite, il faut sortir d'ici, qu'est-ce que tu dis? L'espèce humaine ne peut coexister avec l'équilibre de l'univers. Oh bordel de Zébulon, qu'est-ce que j'ai fait? Viens avec moi, Zed, nous allons mettre fin à tout ça. Non, Ultimax, on a plein de choses à faire sur Terre. C'est vrai qu'ils sont un peu cons, ces humains, mais on peut les guider vers de meilleures intentions, tu crois pas? Tu ne vaux pas mieux, ça sera sans toi. Ultimax, attends! Ultimax! Et Ultimax, ça me fait grand plaisir de te revoir. C'est grâce à moi que tu es revenu à la vie, tu m'en veux pas? Je ne te remercie pas. Ultimax. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que j'ai fait? Vite, dans ton vaisseau. Althea, ouvre les portes du vaisseau. Bienvenue dans votre nouveau vaisseau, Ultimax. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'a pris? C'est vrai que tu fais un peu flipper, Ultimax, mais... ça va aller. Ça va aller.